Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui est dimanche et déjà je vous souhaite un bon repos, un bon dimanche et surtout bonne fête de la Pâque. Je souhaite une bonne fête à tous mes abonnés, tous mes protégés chrétiens et que la fête soit belle pour vous et pour nous tous parce que nous tous on est dedans. Hein? Voilà. Aujourd'hui je vais vous donner une recette. Pour un savon. Déjà, j'ai reçu beaucoup de personnes qui demandent comment commander les produits pour réaliser leur savon eux-mêmes. Allez sur mon site internet, tout est expliqué là-bas et tout est mis sur place. Donc, avec les ingrédients, vous allez réaliser vos savons tranquillement. Aujourd'hui, je vais vous donner la recette du savon de désenvoûtement, purification et ouverture. Et quand je dis désenvoûtement, il fait vraiment totalement tout. OK? Il fait réellement tout. Donc, je vais vous donner les ingrédients. Déjà, ceux qui ne connaissent pas le site internet, c'est Cabinet Maman Fatou. Vous tapez sur internet Cabinet Maman Fatou, ça va apparaître. Et vous allez dans le côté savon. Et ensuite, ça sera écrit Réaliser mon savon moi-même. Voilà. Ou vous allez aller sur mon blog. Voilà. Sur le blog, vous allez trouver tout. Je vais vous donner le lien du blog. OK? Bon, mes amours, pour réaliser vos savons de déblocage, purification, vous purifiez, vous débloquez et faites l'ouverture. Vous aurez besoin d'un savon blanc. Oui, celui-là, on a besoin d'un savon blanc. Donc, pour un pot de ça, parce que déjà, vous devez mettre dans un pot blanc. Mais sur le site internet, vous pourrez commander le pot lui-même aussi. Donc, il aura ce pot blanc, deux savons, ok, deux savons blancs, la poudre entière du caméléon, ok. Vous voyez, je dis toujours le kunjé là-dedans, voilà. Le grain de kunjé là-dedans, vous comprenez, le grain là, il y a le grain. Et il est mélangé avec un peu de poudre d'or, ok. Donc, vous devez prendre le grain là, rendre ça en poudre. Donc, là, c'est déjà fait. Hein? Donc, je vous montre simplement ceux qui peuvent s'en procurer ailleurs. Vous aurez besoin du grain de kunjé. Kunjé de ladon. On dit kunjé de ladon. Et un peu de poudre de l'or. Poudre de l'or. Parce que quand il dit poudre d'or, il y a beaucoup qui demandent. Donc, vous devez déjà écraser les grains de kunjé ladon là. Et ajouter un peu de poudre de l'or dedans. Et vous aurez besoin maintenant de l'adon de kunjé. Ça veut dire la plante parasite de kunjé, n'importe quelle plante hein, parasite de kunjé, pour le rendre comme ça aussi. Donc là, c'est les grains, comme on peut le dire, les grains parasites de kunjé. Là, ce sont les plantes parasites de kunjé. Et là, c'est la peau du caméléon entier. Ça veut dire que vous allez prendre le caméléon séché, que vous allez réduire en poudre. Voilà. Donc, et ensuite, vous allez avoir besoin d'un parfum, une eau de Cologne, hein, n'importe quel, ce que vous voulez. Mais vous pouvez utiliser Saint-Michel ou autre, mais voilà, n'importe quel. Donc, on va passer à la préparation, mes amours. Qu'est-ce que vous devez faire? Voilà. Vous allez prendre un plastique propre, hein? Voilà. Et vous allez râper votre savon. Ça va donner ça. Vous voyez? Vous allez râper votre savon, ça va donner ça. Et ensuite, vous allez ajouter vos poudres qui sont là. D'accord? On va ajouter les poudres. Oh, moi, j'ai pas d'ongles, donc souvent, ça me fatigue d'ouvrir ces trucs-là. Je fais comme en Afrique, là, voilà. Vous allez renverser votre poudre dessus. Vous voyez, comme ça. Ainsi de suite, hein. Vous allez renverser dessus. Tous vos poudres dessus. Et ensuite, la peau du caméléon, ok? Que vous allez aussi ajouter dessus. Voilà. Maintenant déjà, vous allez essayer de mélanger, hein? Bien mélanger pour que ça prenne. Vous voyez que ça change déjà.
Voilà. Là, vous allez mélanger. Voilà. Vous voyez que ça prend. OK? Et vous allez venir ajouter votre parfum. Votre eau de Cologne, si je veux. Vous voyez, vous allez ajouter votre eau. Et petit à petit, parce que si vous faites trop, le savon sera noyé. Donc, vous allez malasser bien. Vous allez bien malasser. Comme cela. Vous allez bien malasser votre peau de savon. Voilà, comme ça. Vous voyez que déjà, il est en train de prendre forme. Hein? Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui disent « Ah, maman, on voudrait que tu fasses en pratique devant nous. » Et j'ai commencé. J'espère que je pourrai terminer parce que à la base, moi, je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas blogueur. Donc, ça fait que c'est un peu compliqué pour moi. OK? Donc, après, on voit bien malassé. Vous avez vu qu'on a pris juste un peu. Parce que là, ça dépend de la quantité. Parce que si vous faites trop, ça va finir par se... On appelle ça comment? Ça va finir par se noyer dans... Et le savon sera carrément gâté. Vous avez vu que j'ai pu prendre ça en un seul. Donc, je vais le mettre dans la boîte. Voilà. Je vais le mettre dans la boîte et appuyer. Et ça va donner... Maintenant, vous allez prendre, si vous voulez faire rendre ça plus joli, hein, vous comprenez, vous allez prendre un peu de parfum dans une... vous allez mettre un peu de parfum dans votre... un bol et vous allez prendre ça comme ça et faire ça. Vous voyez, vous allez rendre ça comme ça pour rendre ça joli. Voilà, votre savon, il est là. Et vous le laissez reposer pendant 3 jours, mes amours. Et vous le restez pendant 3 jours. Vous devez couvrir, hein, parce que ça vient avec le couvert de toute façon. Comme ça, vous le laissez reposer pendant 3 jours et vous commencez à vous laver matin et soir si vous voulez. Je vous jure que vous serez débloqué, purifié et désenvoûté. Et l'ouverture, ça veut dire que les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. Tout sera bien. Tout va rentrer dans l'ordre, mes amours. Donc, allez réaliser votre savon tranquillement. Et lavez-vous avec. Surtout quand vous avez fini vos menstrues, les femmes surtout, vous avez fini vos menstrues, que vous voulez vous purifier, lavez-vous avec. Il est idéal. Et il n'y a pas d'interdit. Tu n'as pas besoin de dire, je suis indisposée, je ne me lave pas avec. Vous pouvez vous laver avec, ça désenvoûte, ça débloque, ça purifie. Et ça fait beaucoup d'ouverture. Vous allez voir que dans vos activités, tout va commencer à aller. Mes amours, n'oubliez pas de partager la vidéo. Ça m'a fait plaisir de passer quelques heures avec vous. Je vous aime bien. Bisous, à plus tard.